Nous n'attendons que le coup de sifflet de l'arbitre pour que cette rencontre puisse commencer. Il est mis au sol, il va falloir libérer. Ils ont encore le contrôle du ballon. Ballon libéré malgré le plaquage. Un peu long ce coup d'envoi, non? Il garde la possession du ballon. Passe. La passe manquée de Bail. Un beau décalage sur le côté. Nouveau point de fixation. L'équipe de France parvient à conserver ce ballon. Il n'y a plus beaucoup de soutien. Faut venir vite déblayer ce ballon. Et c'est un ruck. Ça reste un ballon pour la France. Belle vitesse d'exécution sur cette passe. La belle course de Rates. Et le ballon va sortir en touche. Première touche à suivre. L'équipe du lanceur conserve le ballon. Et il parvient à libérer malgré le contact. Des espaces se créent sur les extérieurs. Les joueurs forment un ruck. Superbe conteste pour récupérer ce ballon. Passe mal ajustée. Il faut venir au soutien. Il rentre à l'épaule dans ce ruck. L'équipe de France conserve ce ballon. Passe mal ajustée de Rates. Sa bataille dans le ruck. Il conserve le ballon sur ce ruck. Belle dextérité sur cette passe. Mêlée spontanée. Ils ont toujours le contrôle du ballon et vont pouvoir l'écarter. Ils ont un avantage sur cette action. On assiste à la formation d'un ruck. On reviendra. Bah, il a fait un en avant. C'est la première mêlée du match après 31 minutes de jeu. Les deux packs sont prêts à en découdre et prendre l'ascendant sur cette mêlée peut créer un avantage psychologique pour le reste de la rencontre. Ah, ils cèdent sous la pression de leurs adversaires. Dupont à la distribution du jeu. Et passe après contact. Rates, il y a un décalage. Marchand passe au contact pour Thomas. Nous entrons dans les dernières minutes de la première mi-temps. Et oui, c'est l'essai. Mais quel travail et quelle qualité d'exécution sur cet essai. Complètement d'accord, Eric. Ils ont clairement su élever leur niveau de jeu sur cette action. Il doit essayer d'être le plus imperméable à la pression sur cette transformation. Ça passe. Deux points de plus pour son équipe. Voilà, la première période de ce match est terminée. Et c'est reparti pour la seconde moitié de ce match. Et les avants forment un ruck. Et il subtilise le ballon dans le ruck. Il passe le ballon. Olivon qui donne à Thomas. Stoppé. On dirait que l'avancée de la France est mise en échec par une grosse défense. Il se remet sur ses appuis pour contester le ballon. Le ballon est conservé par la France. Thomas, la course vers l'extérieur. Le ballon est renvoyé au pied. Dupont qui capte ce ballon aérien. Boutier à la réception. Et c'est un ballon dégagé par Boutier. Au contest pour ce ballon. Ballon récupéré par la France. Attention, ça va être un ruck. Ballon toujours en possession. Point de fixation pour l'attaque. Ballon toujours pour la France. La France à l'origine de ce ruck. L'attaque conserve le ballon. Attaque stoppée, formation d'un ruck. Les joueurs de la France sont toujours en possession du ballon. Un ruck qui s'est formé. Il conserve le ballon. La passe. Groupé pénétrant initié par l'équipe de France. La progression de la France stoppée par la défense.
L'équipe de France a encore le contrôle du ballon. Conservation du ballon de la France. Thomas, peut-être de l'espace au large. Plus rien ne peut l'arrêter. Les joueurs forment une mêlée spontanée. Ils ont soigné la conservation du ballon. Avantage annoncé par l'arbitre. Alors, il semblerait qu'il y ait eu des changements au cours de ce temps mort. En effet, on a pu voir le remplacement de quelques joueurs probablement fatigués. Flexion. Pied. Jeu. Récupération propre du ballon par les avants. Le numéro 8 prend ce ballon. Bien coup à faire sur les ailes. C'est énorme ce qu'il a fait sur cette action. Bien sûr qu'il marque sur cette action. Fabuleux. En effet, Eric, ils ont mis tous les ingrédients pour réussir. Une belle action qui se termine par un bel essai. Et il trouve le chemin des perches. 0 à 14 pour l'équipe de France. Marchand qui récupère ce ballon. Et on arrive dans les arrêts de jeu de ce match. Il fait une passe. Et le match est fini. Victoire. Encore quelques secondes avant le coup d'envoi du match. Ballon bien capté. Un coup de pied d'occupation loin dans le terrain de l'Écosse. Ils vont contester ce ballon. Bien plaqué. Une bonne circulation du ballon. Ficou fait circuler le ballon. Plaquage trop mou pour arrêter Thomas. Les joueurs de la France vont garder ce ballon. L'arbitre décide de laisser l'avantage pour la France. Les transmissions sont bonnes. Il passe le ballon. Il y est presque. Plaquage pas assez agressif pour l'arrêter. Ruck pour France. Ils ont conservé ce ballon. Bonne circulation de balle. J'ai l'impression que ça s'ouvre à l'aile. Et il aplatit le ballon dans le but. Quelle action Thomas et quel essai magnifique. Oui Eric, ils produisent un jeu de qualité depuis quelques minutes. On sentait qu'ils allaient en marquer un. Et il enquille. Il récupère bien ce ballon. Et formation d'un roc. Ils parviennent à conserver le ballon. Transmission de la balle. Ouh là là, un peu haut quand même. Il n'y a pas photo. Hein. La faute existe bel et bien. C'est grossier comme faute. Il n'est probablement pas content d'avoir pris ce carton jaune, mais c'est mérité. 10 minutes sur le banc. Ballon capté. Avantage. Toujours un avantage. Tentative de passe au pied de l'autre côté de la ligne de but. Eh oui, il était en position de hors-jeu. Nous allons donc assister à la première mêlée du match au bout de 21 minutes de jeu. Oui, mêlée qui va voir s'opposer les deux paquets d'avant. Et il est bon de noter que si on se base sur le résultat des joueurs, sur les performances, on peut voir se dessiner un avantage. Un avantage pour l'Écosse.
départ du numéro 8. Il y a une opportunité sur l'extérieur. Et oui, rien ne peut l'arrêter maintenant. Belle offload sur cet enchaînement. Un grand coup d'épaule, la rentrée dans le ruck de Berkesi. Dupont transmet à son coéquipier. Olivon qui joue avec Vakatawa. Wow, c'est fantastique! Magnifique essai de Thomas! Ah, on le sentait venir hein, depuis un bon moment maintenant. Ils ont maîtrisé leur sujet et n'ont pas tremblé dans le dernier geste. C'est entre les perches! 0 à 14 en faveur de la France! Et ça finit dans ses bras. Il va chercher à gagner du terrain avec un coup de pied. Il capte bien ce ballon. On assiste à la formation d'un ruck. Hogg, bien pris. Il libère son ballon après le contact. Les intervalles qui s'ouvrent sur les extérieurs. Il faut aller au bout. Oui, magnifique essai signé. Thomas, il fallait le tenter. Ils l'ont tenté. Ça marche parfaitement. Quelle action! Impeccablement entre les poteaux. Ballon bien capté. Et c'est joué au pied. On entre maintenant dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps. Hogg qui se fait plaquer. Et le ballon a été perdu par l'Écosse. Libération après contact pour Ficou. Plaquage peut-être un petit peu haut là. Ah oui, c'était vraiment trop dangereux pour ne pas être sifflé. Ah, je suis d'accord, là, l'arbitre ne peut que siffler. Oui, la faute est là. C'est carton jaune. Un coup de pied qui vaut 3 points. C'est beauté et malheureusement, c'est à gauche des poteaux. On va donc rester sur un score de 0 à 21. L'arbitre siffle la mi-temps. Encore 40 minutes. Avant la conclusion de cette rencontre, voyons si l'Écosse parvient à revenir dans la partie. Il se remet sur ses appuis pour contester le ballon. Et un ballon bien récupéré par Franck. Nouveau point de fixation. Ah, il rentre à l'épaule dans ce ruck. Il manque de concentration sur ce plaquage. Et magnifique percée. Les joueurs de la France sont toujours en possession du ballon. L'arbitre laisse l'avantage, voyons s'ils parviennent à faire quelque chose de ce ballon. Le demi de mêlée à l'introduction dans les 22 mètres adverses. Flexion. Lié. Jeu. Ils vont pouvoir récupérer le ballon de cette mêlée. Rice décide de jouer ce ballon au pied. Ils vont contester ce ballon. L'attaque conserve le ballon. Le jeu de passe. Jouer sur l'aile, ça pourrait être payant. Il fonce droit vers la terre promise. C'est un ruck. Ballon toujours pour la France. Un ruck qui s'est formé. Le ballon est conservé par la France. Il capte bien ce ballon. La passe au contact pour Thomas. Quelle action extraordinaire qui amène à cet essai. Je ne parlerai pas de démonstration, mais presque. Ils étaient déjà devant au score. Cet essai va les éloigner encore plus de leurs rivaux. Exactement, Eric. Je dirais même qu'ils semblent intouchables. Et c'est passé entre les perches. Il est dessous, impeccable. Et du jeu d'occupation. Boutier qui capte ce ballon aérien. Johnson, il la veut. Il est jouable. L'arbitre laisse jouer l'avantage. Et on revient pour cette mêlée. Et les avants se mettent en place pour cette mêlée dans les 40 mètres. Flexion. Et ballon récupéré par la France.
Regardez le travail dans l'axe du paquet d'avant. Ça va jouer avec le numéro 8. Il accélère le long de la touche. Oh là là, quel plaquage! Fin de l'avantage. Attaque stoppée, formation de ruck. Ils parviennent à conserver le ballon. Mauvaise transmission de balle. Hogg prend donc un carton jaune. Il va falloir être très attentif sur cette mêlée qui n'est qu'à quelques mètres de long. Flexion. Millet. Dupont qui introduit ce ballon. Voilà au terme des 80 minutes. Ballon dans les mains du demi de mêlée, Dupont. Dupont qui inscrit cet essai. Eh oui, il n'y a rien à redire, il dominait déjà le match. Les voilà qui prennent un petit peu plus le large. Ils ne sont pas tombés dans le piège de la facilité et ont maintenu la pression sur leurs adversaires. Et ça rentre. Et l'arbitre libère.
Nous voici arrivés à ce quart de finale. Vont s'affronter ce soir les équipes de France et celles du Japon. Pour le commentaire, je suis en compagnie de Thomas Lombard. Thomas, bonsoir. Le ballon est parti tout droit. Réception propre du ballon. Le décalage est fait sur les extérieurs. Mêlée spontanée. L'équipe de France a réussi à contester ce ballon. Il y a de l'espace sur l'extérieur. Belle passe après contact, mais risquée. Et c'est une touche pour le Japon. Une première touche qui sera jouée par le Japon. Ballon bien capté. Il constitue un maul. Ils viennent renforcer ce maul. Vont-ils surprendre la défense avec cette combinaison qui se prépare ? Le placement de départ est intéressant. Le Japon à l'origine de ce ruck. Ils ont bien bataillé et récupèrent le ballon. À la réception, capté par Antonio. Soyons larges ! Et c'est un bel essai qui est planté. Et voilà, la délivrance. Enfin, l'essai tant attendu. Oui, on va revoir ça en vidéo. Pour transformer l'essai, place au botteur. C'est tapé et non, ça va passer à gauche. On reste donc sur un 5 à 0. Waouh, magnifique. Marchand, un ruck annoncé par l'arbitre. L'équipe de France a encore le contrôle du ballon. Passe mal effectuée. Au contest pour ce ballon. Le contest en puissance de Vakatawa. Il crée un point de fixation. L'équipe de France parvient à conserver ce ballon. Offload, il y a une opportunité sur l'extérieur. Une mêlée spontanée se forme. Il garde la possession du ballon. Oh, il rate son plaquage. Et il se lie à ses partenaires. Les joueurs forment un roc. Ballon toujours entre les mains de l'équipe de France. Il y a un coup à jouer sur les extérieurs. Attention, danger là sur l'extérieur avec l'échappée de Thomas. Et il intercepte le ballon. Il y a eu faute, mais on va jouer l'avantage. Changement de joueur. Ils vont faire rentrer du sang frais. Ouais, du sang neuf qui va venir ramener un peu de tonus dans leur jeu. 5 à 0. Et une mêlée dans la moitié de terrain de l'équipe du Japon. Cette mêlée est propre. Introduction maintenant de Dupont. Dupont passe à Ficou. La sirène retentit, ce qui veut dire que nous sommes maintenant dans les arrêts de jeu. Il est mis au sol, il va falloir libérer. Et un ballon récupéré dans ce ruck par l'équipe de France. Magnifique passe après contact. La défense rate ses plaquages. Et oui, l'essai lié, l'essai de Cross. Mais quelle action de jeu splendide et quel talent! Je suis complètement d'accord avec vous, Eric. C'est une phase de jeu rondement menée avec une très belle conclusion. Allez, c'est transformé. 12 à 0. Ça y est, les deux équipes vont enfin pouvoir rejoindre le vestiaire. Coup de sifflet qui marque le début de la seconde mi-temps. Willemse qui parvient à libérer malgré le plaquage. Faut aller au large. Mauvaise passe. Et on va donc assister à une touche. Nous allons donc revenir à cette touche complète.
Belle prise de balle. Vakatawa qui s'échappe sur le côté. Attention, ça va être un ruck. Il conserve le ballon. Fikou qui passe son ballon alors qu'il est plaqué. Ils ont soigné la conservation du ballon. Il faut venir au soutien. Ah, il rentre à l'épaule dans ce ruck. Dupont avec Tolofua. La belle course de Thomas. Il va marquer. Le ballon est bien aplati dans l'embut. Essai. C'était audacieux et ça a payé. Regardons à nouveau cette action. Ils n'ont rien lâché et se sont imposés sur cet essai. Très beau travail. On va suivre le coup de pied de transformation. Ah, trop court le coup de pied. Il a mal ajusté son jeu au pied. Il va vraiment s'en vouloir. Willemc fait circuler le ballon. La défense est à la rue, il y a un trou. Il n'y a plus beaucoup de soutien. Ballon toujours en possession. Passe après contact pour Willemc. Il conserve le ballon sur ce ruck. Et il va donc trouver une touche. Ce sera donc un alignement de 7 joueurs sur cette touche. On va partir sur un maul. L'attaque va nous proposer une combinaison. Pour avancer efficacement, le choix de la combinaison est déterminant. La France à l'origine de ce ruck. La défense ne couvre pas bien les extérieurs. Les joueurs forment un ruck. Ballon bien gratté par la défense. Très bon offload. Nouveau point de fixation. Il converge vers le ruck. Il y a un coup à faire sur les ailes. Thomas file marquer cet essai. Ce sera donc une touche pour l'équipe du Japon. Profitons de ce moment pour annoncer qu'il y a eu quelques changements. Il est probable qu'il cherche ainsi à redynamiser le jeu avec des joueurs frais. Il s'applique à bien faire circuler le ballon. Passe après contact réussi. La tentative de plaquage de Vakatawa qui ne donne rien. Et on entre maintenant dans les dernières minutes du match. Thomas fonce droit à l'essai. Moore qui vient mettre les mains dans le ruck. L'attaque conserve le ballon. Les joueurs forment une mêlée spontanée. Ils conservent le ballon sur ce ruck. Et formation d'un ruck. Ils ont soigné la conservation du ballon. Il fait circuler le ballon. Passe manqué. L'arbitre laisse jouer. Ça y est. Au coup de sifflet, la rencontre va pouvoir commencer. Il tente de repousser l'attaque le plus loin possible. Et ça finit dans ses bras. Au contest pour ce ballon.
C'est récupéré. Il y a une opportunité sur l'extérieur avec Thomas. Ah, plaquage manqué. Essai. Ils ont mis toute l'intensité nécessaire et sont récompensés par ce magnifique essai. Bravo. Ils n'ont pas hésité une seule seconde et ont saisi l'opportunité de marquer un très bel essai. Transformation. Le jeu de passe. Un ruck qui s'est formé. Le ballon est conservé par la France. Quelle adresse sous ce jeu au pied. Il est parti comme une fusée à travers la défense. Un ruck à disputer. Très bon offload. Point de fixation pour l'attaque. Il conserve le ballon. Le décalage est fait sur les extérieurs. Il est arrêté. Ils ont conservé ce ballon. Le ballon circule bien. Belle offload sur cet enchaînement. Ah, la passe ratée. Un beau décalage sur le côté. C'est un ruck. Attention, ballon perdu. Il faut venir au soutien. Les joueurs de la France sont toujours en possession du ballon. Ils passent la balle. Jeu au pied. Et c'est sorti en touche. Allez, on décide d'apporter un petit peu de 109 sur le terrain. C'est parti pour la première touche de ce match. Il sort victorieux de ce duel de sauteurs. C'est un maul qui est annoncé. La défense qui bloque la progression. Ouais, c'est bien joué ça sur le côté. Ils foncent droit vers la terre promise. C'est aplati, ils l'ont fait. Superbe action qui se conclut de la plus belle des manières. Cet essai ne souffre d'aucune contestation possible. Oui, impeccable, impeccable. 7 à 7. Ballon capté. Mêlée spontanée. Et c'est un turnover. Passe mal ajustée de Dupont. Il crée un point de fixation. Conservation du ballon de la France. Il fait une passe. La passe après contact. Et passe après contact. Il va marquer. Ruck pour France. Les joueurs de la France vont garder ce ballon. Jouer sur l'aile, ça pourrait être payant. Thomas plante cet essai. Magnifique action, Thomas. Quelle envie, quelle détermination. Et oui, Eric, ils n'ont rien lâché et se voient très bien récompensés avec cet essai. Pour transformer l'essai, place au botteur. Ça ne passera pas. Et on atteint la fin du temps réglementaire de cette première mi-temps. Nous voilà donc au terme de cette première période. Et cette remise en jeu marque le début de cette deuxième période. Belle précision et bonne exécution sur ce offload. Plaquage manqué. Ils vont contester ce ballon. L'équipe de France conserve ce ballon. Ils veulent faire vivre le ballon avec cet offload. Il y a de l'espace sur l'extérieur. Ça bataille dans le ruck. Et c'est un ballon récupéré pour la France. La passe. Ça file tout droit vers les...
22 de l'équipe adverse. C'est un bon ballon qui peut mettre la pression si l'organisation défensive est bonne. Il va aller au bout. Quel essai ! Un plaquage qui ne donne rien. Ils se devaient de le tenter, ils n'ont pas tremblé, ils l'ont fait. Cela fait plusieurs minutes qu'ils dominaient et les voilà enfin récompensés. Non, c'est trop à droite ça. En effet, c'est trop à droite. Ballon bien capté. Il est passé. Ça va être un contest. Et un ballon bien récupéré par France. Belle passe après contact, mais risquée. Et les soutiens qui arrivent rapidement autour du porteur de balle. La progression du pack est stoppée. Un ruck annoncé par l'arbitre. Ballon toujours pour la France. Belle dextérité sur cette passe. Passe mal effectuée. Beau plaquage du défenseur. Le demi de mêlée va pouvoir lancer le jeu. Marchand passe au contact pour Tolofua. Le soutien est là avec la percussion de Ross. Passe mal ajustée. Mauvaise passe. Et c'est un ruck. Et le ballon va sortir en touche. Nous allons avoir le droit à une touche à 7 qui sera remise en jeu par Thomas. Attention, ça va être un ruck. Superbe contest pour récupérer ce ballon. Il libère son ballon après le contact. Une mêlée spontanée se forme. L'équipe de France a encore le contrôle du ballon. Vakatawa, peut-être de l'espace au large. C'est bien, il y a du soutien. Ils ont toujours le contrôle du ballon et vont pouvoir l'écarter. Belle passe. Au contest pour ce ballon. Ballon toujours en possession. Ça circule bien. Belle vitesse d'exécution sur cette passe. Il est mis au sol, il va falloir libérer. L'équipe de France parvient à conserver ce ballon. Faudrait aller sur les ailes. Oh. On assiste à la formation d'un ruck. On atteint la fin du temps réglementaire de ce match. Cross parvient à faire sa passe à Makalou. Et ce malgré le plaquage de Cross, ça reste un ballon pour la France. La passe au contact pour Cross. Ils parviennent à conserver le ballon. Des espaces secrets sur les extérieurs. Regardez un peu sa course, on voit bien qu'il est blessé. Ah, ils ont perdu le ballon, là. Une mêlée spontanée se forme. Ils ont conservé ce ballon. Et les avants forment un ruck. Ils ont soigné la conservation du ballon. Ils font bien circuler le ballon. Willemse pris au contact, qui libère pour Thomas. Ils conservent le ballon sur ce ruck. Passe la balle pendant le plaquage. Il y a une opportunité sur l'extérieur. Les joueurs forment une mêlée spontanée. Belle séquence défensive. L'attaque conserve le ballon. Attaque stoppée, formation d'un ruck. Beau plaquage du défenseur. Et un ballon récupéré dans ce ruck par l'équipe de France. Jouer sur l'aile, ça pourrait être payant. Et c'est un ruck. Ils parviennent à conserver le ballon. Les joueurs forment un ruck. Ils ont encore le contrôle du ballon. Il transmet son ballon. La passe manquée de Cross. Point de fixation pour l'attaque. L'équipe de France conserve ce ballon. Il y est presque. Et ils inscrivent un superbe essai. C'est vraiment le genre d'action que le public aime voir, et nous aussi. Ben oui, Eric, et puis c'est tellement bien exécuté que c'est imparable. C'est dedans! Il a été bon sur ce coup de pied placé. Et voilà, c'est terminé!
Thank you.